Bonjour et bienvenue dans la suite du tutoriel sur IntenseDebate. Nous allons voir maintenant la gestion des commentaires avec IntenseDebate. La première chose à faire, c'est de vous rendre dans les commentaires en cliquant sur cet onglet. Et vous tomberez donc ici. On vous demandera certainement de vous connecter avec vos identifiants IntenseDebate. Faites-le et vous tomberez ici. Donc éditez les commentaires. Donc vous voyez que ça reprend le même principe que WordPress, sauf que c'est avec IntenseDebate, c'est en anglais. Donc vous voyez, vous avez par exemple ce commentaire, et pour chaque commentaire vous pouvez approuver, pas approuver, le mettre en spam ou l'effacer, répondre et éditer le commentaire. Vous pouvez l'éditer aussi en cliquant là et en cliquant là. Pas approuvé, approuvé, marqué comme spam ou effacé, vous cliquez sur appliquer. Donc c'est le même principe qu'avec WordPress, sauf que c'est des boutons anglais, quoi. En réponse à tel article, telle personne avec son email et son site internet, telle date a répondu ça. Donc vous voyez. Donc si vous voulez éditer ce commentaire, vous cliquez édite ici. Et hop, en fait, vous vous rendez sur intensedebate.com. Vous éditez le commentaire en modifiant le nom, l'adresse email, l'URL. Vous pouvez encore une fois le mettre en effacer, spam, en attente d'approbation ou approuver. Modifiez le texte ici et cliquez sur date comment ici. On vous dit qu'il a été envoyé telle date, telle heure. Vous pouvez éditer également la date et l'heure ici. Voilà, donc une fois que vous avez apporté toutes les modifications, vous cliquez sur Date Comment. Voilà pour la partie des commentaires, la gestion des commentaires avec IntenseDebate. Dans la troisième vidéo, nous verrons la partie front office de WordPress avec IntenseDebate. Merci, à tout de suite.